Ah oui, elle est là. 15, 16 ans. 17. Ah. Des grands yeux noisettes, des jambes ravissantes, les hanches étroites, poitrine menue. Aucun doute là-dessus, c'est une jolie fille. Très jolie fille. Je m'appelle Francesca. J'ai 17 ans et je ne pense pas être laide. Mes amis trouvent même que je suis jolie. Ils disent que j'ai un type. Je n'ai jamais eu à me soucier des questions sérieuses ou graves. Je n'ai jamais eu à résoudre ces problèmes dont les parents disent toujours « Ce n'est pas de votre âge, je me laissais vivre », rêvant tantôt du prince charmant, du maître de forge, de la voiture grand sport de mon cousin, tantôt d'une modeste chaumière à la campagne où m'aurait enlevé le donjon du lycée. Lorsqu'un jour, une nuit, une voix étrange s'est fait entendre au fond de moi, m'invitant irrésistiblement à élargir mon horizon de petite fille, à m'aventurer dans un monde nouveau, inconnu, à la fois effrayant et attirant. Qu'est-ce que tu dis ? Je dis que je m'ennuie sans toi. Je t'aime, Enrico. Ça pouvait être vrai. Mais je t'aime, Enrico. Je te jure que je t'aime. Je t'aime depuis San Remo, la première année. Tu me crois? C'est une merveilleuse petite bonne femme. Les adolescentes. Les adolescentes vivent dans un monde à elles. Un monde où le mirage se confond parfois avec la réalité. Surprendre l'instant où une jeune fille cesse soudain d'être une adolescente pour devenir une femme. Saisir le moment où l'innocence fait progressivement place à la connaissance et à l'expérience de la vie. Tu es gentil, Enrico. Merci. Tel est l'enjeu fascinant et dramatique du nouveau film d'Alberto Lattuada.